En direct de la centrifugeuse, l'A2P vous présente le deuxième concours de plaidoirie de l'UPPA. Un petit peu trop much, too much current. Ok, je préfère quand t'arrives à dos d'éléphant quand même, c'est plus impressionnant. Bonsoir à tous! Je vous demande de vous arrêter. Num mare nostrum est Thomas Moretum. Ça veut dire, bon, vous l'avez compris, bienvenue dans ces demi-finales du concours de plaidoirie. Concours de plaidoirie où vous affrontez de jeunes candidats qui vont essayer de faire aussi bien que nous l'année dernière. Et il sera difficile d'être à notre hauteur. Oh, à votre hauteur, je pense que ça devrait aller. Mais ne nous emballons pas, Maverick, car rappelez-vous que nous avons de formidables candidats, plus incroyables les uns que les autres, capables de nous faire rire, de nous faire, je vous le dis, taper le cul par terre en se foutant à poil ou en lançant des tongs dans le public. Oui, mais n'oublions pas quand même, s'il vous plaît, Christophe... Franck, moi c'est Franck. Franck. N'oublions pas que nous avons aussi un jury prestigieux. Tout à fait, Monique, on a... Maverick. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous avons un jury d'exception, de renom, un jury d'excellence, d'élégance. Et oui, ce soir, nous allons accueillir, et je pense qu'on va les applaudir très fort... Tout à fait, s'il vous plaît. Barack Obama. Jean d'Ormesson. Raphaël Nadal. Non. Et le plus prestigieux d'entre tous, Jean Benguigui. Non. En fait, on a réussi à regrouper juste des professionnels du droit. On n'a pas fait. Laure. Oui, Ellie. Je crois qu'on a un tout petit problème là. Qu'est-ce qui se passe encore? Regarde sur la scène. Je crois qu'on est en train de se faire torpiller notre présentation. Ok, normalement on est à l'heure. Personne ne nous a prévenus. Sinon, j'ai raté un épisode. Normalement, on est irremplaçable. Surtout pas paru en plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi? On va pas laisser comme ça? Ok. Je vais prendre les choses en main. J'ai une idée. Sécurité! Messieurs, bonsoir. Alors, vous l'avez compris, nous avons eu un petit problème technique qui est apparemment maîtrisé. Oui, c'est bon, on me fait signe que oui, donc tout va bien. Alors, de retour à la centrifugeuse pour cette demi-finale du concours de plaidoirie, toujours sur le thème du voyage dans le temps. Nouvelle étape cette année, nouvelle histoire à raconter. Alors, peut-être qu'on pourrait expliquer au public en quoi ça consiste. Ce soir, nos candidats vont s'affronter durant l'épreuve des battles. Alors, attention, battle, hein, petite précision, ça ne veut pas dire du sang, de la violence, un ring, des combats, des coups, enfin, je crois. Non, a priori, c'est pas prévu. Ok, très bien. Par contre, il y aura beaucoup d'histoires, de désespoir, de disputes, d'amour, enfin, des histoires de couple. Super. Mais Ellie, qui pour présenter cette magnifique soirée?
Eh bien, l'or, totalement inattendu, totalement nouveau. Attention, suspense. Je regarde. Oui, alors on a un problème, l'or. Parce qu'en fait, c'est les mêmes que la dernière fois. Très bien. Donc, on va faire rapide, hein ? On ne va pas les présenter. Alors, moi, je suis pour qu'on ne les présente pas non plus. Ok. Donc, sous vos applaudissements. Oui. Mesdames et messieurs. Veuillez accueillir qui vous savez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Pauline. Bonsoir Thomas. Merci à tous d'être là, merci aux nombreux web spectateurs qui nous regardent ce soir. Pauline, peut-être que nous allons dire quelques mots sur les réseaux sociaux. Oui, alors, nous ne sommes pas très contents, parce que la semaine dernière, vous n'avez pas trop réagi. Pas du tout même. On a créé un hashtag, il faut l'utiliser, hashtag plaidoirie 2016 sur Facebook, Instagram, Snapchat, bref, tous les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors, réagissez, hashtag plaidoirie 2016. Avant de débuter cette soirée et de la débuter en beauté, nous allons accueillir, bien sûr, ce soir, notre jury, avec, bien sûr, notre jury en musique et en fumée. Désormais, il a l'embarras du choix pour s'habiller. Robe d'avocat ou de professeur agrégé, directeur du Centre pour droit public, il saura manier la critique. Le professeur et président de ce jury, Jean Gourdou. Il manie les clubs de golf à la perfection. Être sur le green, c'est sa passion. Des contrats publics, il est le king. Cher candidat, il faut que ça swing. Monsieur le professeur Philippe Cerner. Avec lui, vous n'avez pas le droit de garder le silence. Il est là pour délivrer sa sentence. Spécialiste de la garde à vue, vous ne manquerez pas de lui imposer votre point de vue. Le professeur Sébastien Pelé. Magistrat, il est président du TGI. Il nous honore de sa présence à la Centrie. Des avocats, il en côtoie tous les jours. Alors, cher candidat, il va falloir le convaincre avec humour. Le président Marc Jean-Talon. Président de la chambre de la famille de la cour d'appel. Il est habitué à voir des couples qui se querellent. Alors attention ce soir, pas de scène de ménage et mettez tout en œuvre pour éviter le naufrage. Le président François Fettler. Conseillère au tribunal administratif, cher candidat, soyez persuasif, car vous ne pourrez pas vous en remettre à vos écritures et votre verbe sera votre meilleure armure. Madame Marie-Odile Meunier-Gardin. Il partage son nom avec une barre chocolatée. Docteur en droit de notre belle faculté et grand habitué des prétoires palois, avec lui, pas de droit. Pas de chocolat. Maître Denis Ledin. Nouveau maître de conférence en droit public, il voyage à travers le monde ibérique, défenseur des droits à ses heures perdues. Soyez humaniste si vous voulez être retenu. Monsieur Dimitri Derrère. La prison, c'est son domaine de prédilection. Il attend des candidats qui plaident avec conviction. Car n'oubliez pas, vous êtes en liberté conditionnelle, alors ce soir, soyez exceptionnels. Monsieur Jean-Paul Serré.
connaît comme personne le thème de ce concours. Il attend des candidats qui vous fassent de beaux discours. À bord de notre machine à voyager dans le temps, il espère que les candidats seront renversants. Monsieur Jérôme Solida. Ancien maître des dojos, il a été élu à la mairie de Pau. Avec lui, il y a du gaz dans l'eau. Alors bonne chance pour le mettre KO. Monsieur Louis de Fontenay. Parfait. Merci beaucoup à tous les membres du jury d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Mais vous n'êtes pas les seuls que l'on remercie. Tout à fait. On remercie aussi toutes les entreprises et collectivités qui ont voulu s'associer à cette soirée. Il s'agit de nos sponsors. Tout à fait, ma chère Pauline. Alors nous remercions très chaleureusement la cave Le Chez à l'Escar. Non, à Bière. Le chocolatier Léonidas. L'espace culturel Édouard Leclerc. La brasserie Béarnais. Les Lambernais. Le chocolatier Jeff de Bruges. La salle de sport Les Bruyères. L'éditeur Lexis Nexis. La FNAC. La salle de sport Oxygène. L'université de Pau et des Pays de la Dôme. La jardinerie Bon Cap à l'Escar. Ainsi que le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Nous remercions aussi le comité d'organisation de cet événement et nos chers petits qui ont démarché tous ces sponsors. Merci à eux. Nous remercions très chaleureusement également l'artiste qui nous permet ce soir de diffuser en direct cette belle soirée. Nous remercions la centrifugeuse qui nous accueille ici ce soir. Et tout particulièrement Enzo qui est en régie ce soir. Nous remercions aussi Dominique qui est en régie aussi. Tout à fait, nous remercions à titre individuel également Mlle Paloma Bégué qui je pensais était là mais je ne sais pas où elle est. Donc merci en tout cas, elle a fait de très belles photos la semaine dernière et elle en fera des plus belles ce soir encore. Nous remercions aussi la 2P sans qui cet événement ne pourrait pas exister. Tout à fait, remercions-nous, vous avez raison Pauline. Et puis un grand merci à vous cher public d'être encore là, nombreux ce soir, 1800 me dit-on dans l'oreillette. Tout à fait Thomas, et nous remercions aussi les web spectateurs qui nous regardent en masse. Tout à fait. Alors, quelques consignes pour le déroulement de cette soirée, ma chère Pauline. Oui, tout à fait, Thomas. Nous marquerons une pause lors de laquelle vous pourrez vous restaurer, vous hydrater au bar. Tout à fait. Allez-y, ça n'est vraiment pas cher. Tout est à moins de 2 euros. Le vin est très, très bon. Nous vous demanderons également d'éteindre vos téléphones cellulaires portatifs. Tout à fait. Et puis, enfin, dernière consigne, mais ça, vous l'avez bien compris la semaine passée, vous l'avez bien appliqué. Surtout... Amusez-vous. Amusez-vous. Alors, concernant les règles du jeu de ce soir, Pauline. Eh bien, Thomas, comme la semaine dernière, les candidats passeront par ordre chronologique. Tout à fait. Alors, ce soir, nous sommes à l'épreuve des battles. C'est-à-dire que ce qu'il va se passer, c'est que pour un même cas, sur un même couple, deux équipes vont défendre tantôt madame, tantôt monsieur, tantôt monsieur, tantôt monsieur. Il n'y a pas de madame ce soir. Donc, voilà. Et le jury va, malheureusement, n'en qualifier qu'un sur les deux pour la finale. Donc, ils sont 10 ce soir. Ils ne seront plus que 5 dans 15 jours. Et comme la semaine dernière, le jury sera chargé de leur donner un mot à placer dans leur plaidoirie. Et cette semaine, c'est une locution latine. Alors, vraiment, on leur souhaite bien du courage. Je pense que vous pouvez les applaudir pour les encourager rien que pour cela. Notre premier battle. Tout à fait. Alors nous demandons très chaleureusement à mademoiselle Audrey Fourmeau, à mademoiselle De Sachy de s'avancer, s'il vous plaît. Alors, c'est une battle qui opposera donc César à Cléopâtre. Mademoiselle Fourmeau, qui est à ma gauche, donc à votre droite, représentera Cléopâtre ce soir. Mademoiselle De Sachy, ici derrière, représentera César. Et donc, Audrey Fourmeau est coachée par Camille Drouillet. Qu'est-ce que l'on peut dire sur Camille Drouillet, Pauline ? Eh bien, on peut dire sur notre chère Camille que c'est une paloise d'adoption, mais une collègue d'exception. Tout à fait. Et puis, mademoiselle De Sachy est coachée par mademoiselle Solène Galu, dont on peut dire, apparemment, d'après ce que l'on m'a dit, qu'elle avait deux canaris, l'un qui s'appelle Portalis et l'autre Thémis. Je vous laisse en juger. Voilà. Alors, peut-être que vous pourriez dire à notre public et à notre jury quel est le cas de ce soir, ma chère Pauline. Tout à fait, Thomas. Alors, leur sujet est le suivant.
Cléopâtre sort de la clinique du docteur Mamour après une rhinoplastie. César débarque au palais et s'exclame « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule !» Outré, Cléopâtre le chasse d'Égypte et met fin à leur concubinage. Noyant son chagrin dans des litres d'hydromel, César accepte de laisser l'Égypte à celle qu'il a tant aimée, si elle renonce à la garde de leurs jumeaux, Igorus et Grishkus. Cléopâtre et César sont devant le Jaffis d'Alexandrie. Merci beaucoup. Alors peut-être le président du jury, un petit mot pour nos candidats en latin. Un petit mot en latin, deux mots en latin. Ah, deux mots, oui. Ah mais oui, deux mots, tout à fait. Alors, deux mots. Alors pour mademoiselle Fourmeau. Il a été proposé « tu quoque mi fili ». Qui l'a proposé ? La traduction ? Oui, la traduction n'est pas très compliquée. Toi aussi, mon fils. Toi aussi, mon fils. Et pour mademoiselle de Sachy ? Ça devrait être, ça aurait dû être à César, hein, pour le prononcer, d'ailleurs. Et pour vous, c'est « qui bene amat, bene castigat ». Qui aime bien, châtie bien. « Qui bene amat ». Qui bene amat, qui aime bien, bene castigat. Bene castigat. Châtie bien. Merci. Ça aurait pu être du Bernet. Hein. J'entends souffler derrière. Merci beaucoup. Bonne chance, vous avez 5 minutes chacune. Bonne chance. En ma condition de fémène. Néanmoins, je vous demanderai, bien que cela concerne, enfin, et fonctionne surtout avec les femmes, de vous concentrer. César, Cléopâtre et leurs deux enfants. Un couple mythique, digne d'amour, gloire et beauté. Des choses qui font rêver. Pour autant, ne nous méprenons pas. Entre l'image publique et la réalité intime, il existe un gouffre, que dis-je, une péninsule. César a plus de 30 ans que Cléopâtre lorsqu'il la rencontre. Une femme et des enfants qui l'attendent à Rome. Je vous entends déjà dire « Ah, le vieux dégoûtant, ah, la petite imbécile !» Et pourtant, c'est l'amour qui les réunit, par la grâce d'un syndrome de Stockholm, à force de liens et de bâillons de cuir. Eux qui, au début, se comprenaient sans se parler, se viennent à se parler sans se comprendre, et à comprendre qu'ils ne parlent plus. La communication verbale tend à disparaître au profit des regards méprisants, des sourires ironiques et des silences longs, jusqu'au retour des mots qui se font pernicieux et agressifs. Les privations et les humiliations se suivent, allant même jusqu'à son physique. Alors on vous dira que ma cliente est une femme futile, susceptible, capricieuse, que sais-je encore, qu'elle fait toute une montagne de quelques sarcophages. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ma cliente n'est pas une femme comme les autres. Son profil est certes particulier, mais c'est la reine d'Égypte, descendante d'Aton, de droit divin, représentante de son peuple sur terre. En l'insultant, César jette l'opprobre sur un peuple de plus de 5000 ans. Il profane le nom de la reine à travers les âges. Et les injures, Cléopâtre, elle connaît. Cette remarque sur son nez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'amphore. Beaucoup m'ont dit les remarques proférées sur la reine et même sur les Égyptiens, qualifiés de vendeurs de chameaux, de bâtisseurs de châteaux de sable, de pérégrins basanés, de gribouilleurs analphabètes, et même de racailles à passer au karcher. Nier cette souffrance, c'est participer au mythe de la femme victime de violences conjugales, nier l'ampleur d'un phénomène qui se manifeste au-delà des coups, le banaliser. Car faire constamment des remarques blessantes, couper la parole, se présenter comme celui qui sait, rabaisser l'autre, l'inférioriser, ne pas lui répondre, le faire passer pour stupide ou hystérique, c'est une violence. Une violence qui rentre sous le coup de la loi du 9 juillet 2010, instaurant le délit de harcèlement moral au sein du couple. Je vous en conjure, ne minimisez pas au nom de l'histoire les paroles d'un homme au titre ronflant se reposant sur ses lauriers. Insulte prononcée sous les yeux avides de la foule, insulte d'un père ne craignant pas de déshonorer devant ses enfants leur propre mère. Et c'est détruite que Cléopâtre n'a de cesse d'interroger son plus fidèle compagnon, qui, comme toute femme qui se respecte, son miroir. Imaginez donc sa déconvenue lorsque César se moque d'elle, elle qui a déjà trop accepté, elle à qui jamais il ne demandera la main, préférant utiliser la sienne. C'en est trop pour Cléopâtre, comme ça le serait pour toute femme. Mais Cléopâtre n'est pas une victime. César a pu tromper 1000 personnes une fois, il ne trompera pas Cléopâtre 1000 fois. Lorsqu'elle le quitte, elle garde sa dignité, allant même jusqu'à le réconforter.
Et on est très loin des ruptures à la Valérie et François. Car on peut se l'avouer, mesdames et messieurs, bien que l'adage « un de perdu, 10 de retrouvé » fonctionne surtout pour les kilos, chaque papyrus trouve son hiéroglyphe. Ça aurait pu s'en arrêter là, mais c'était sans oublier que César, guerrier dans l'âme, attend sa revanche sur Cléopâtre qu'il souhaite traîner dans le limon, et même ses fils, car comme le dit l'adage, « écocué, filis ». En moyennant aujourd'hui la garde de leurs deux enfants contre le prix de la paix, il a trouvé une autre manière de l'humilier, en la menaçant de décimer ses frères ou de la priver de sa fonction maternelle. Quel odieux chantage! Est-ce vraiment à cet homme que vous voudriez confier le sort de ces deux chérubins? César, malgré ses conseillers, du Pontus de Ligonix, Courgeotix pour ne citer qu'eux, est peut-être un bon stratège. Mais cela ne suffit pas à en faire un bon père de famille, ni un bon amant, car comme il le disait lui-même après l'amour, Veni, vidi, vici. Homme détestable s'il en est donc, qui utilise aujourd'hui ses faiblesses pour tenter de vous apitoyer. César avec la Gaule de bois. Quel procédé retors. C'est sûr qu'à force d'en boire des pressions, il s'en rajoute. Et quoi encore, devrions-nous le plaindre? Mais personnellement, je lui souhaite bien des câlins, autour du cou, avec une corde. Quels que soient vos préjugés, c'est à l'intérêt supérieur de l'enfant que j'en appelle. Intérêt supérieur de l'enfant, tel que s'y réfère la Convention internationale des droits de l'enfant de 89. Des enfants que tout rattache à leurs racines égyptiennes. Des enfants élevés pour gouverner, qui tiennent entre leurs mains le destin d'une nation. Des enfants à qui Rome, ne pourrait être considéré comme héritier illégitime, César étant déjà père. Non, vraiment. Des enfants qui de leur mère ont même hérité les traits, et qui pourraient ainsi être souffre-douleur de leur père. Des enfants qui auraient dû garder la pureté de leur âge, à une époque où de la vie on ne connaît que sa légèreté. Mais vous pouvez les en épargner, et c'est pourquoi je vous demande, au nom de toutes les femmes qui vivent la même expérience, quelles que soient leurs conditions, une décision exemplaire. Vous accorderez la garde des enfants à Cléopâtre, et où vous déchoirez de sa nationalité César, ce terroriste familial. Messieurs les juges, ce soir, il m'incombe une lourde tâche. Il m'incombe la lourde tâche de défendre mon client de manière à ce qu'il puisse conserver la seule chose qui lui reste, la garde de ses enfants. Mais avant toute chose, je tiens à féliciter ma consœur. Oui, bravo chère consœur pour vous être acharnée sur un homme qui a déjà tout perdu. Il ne vous aura pas échappé que l'on vient de présenter mon client César comme le pire des hommes. Mais dois-je rappeler au tribunal que la jurisprudence relative à l'article 371-1 du Code civil en matière d'autorité parentale ne cesse de nous envoyer un message fort. Les parents doivent se respecter mutuellement, notamment en respectant la place de l'autre parent. Le respect, mesdames, messieurs les juges. Avez-vous entendu une seule marque de respect dans les propos de mon adversaire? Absolument aucune. Je vais vous faire une confidence. L'homme qui est venu me voir est un homme abattu, un homme bouleversé, un homme rongé à l'idée de vivre sans ses enfants. D'un royaume, il s'en retrouve chassé. D'une femme, il s'en retrouve largué. De ses enfants, il s'en retrouve séparé. Mesdames, messieurs les juges, vous l'avez compris, ce que l'on reproche à mon client, c'est d'avoir de l'humour. Oui, mon client est drôle. Alors certes, il n'est pas encore prêt pour le Jamel Comedy Club, mais j'ai bon espoir. Mon client disait « Quid bene amat bene castigate ?» Castigate ? Excusez-moi, je me suis trompée. Mon client disait « Veni, vidi, vici !» Pour les non-bilingues, je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Pour les perspicaces, vous l'aurez compris, mon client n'a rien vaincu, mais a été déçu. Déçu de constater que sa bien-aimée n'a pas compris qu'il ne s'agissait que d'une simple blagounette. Déçu de constater que sa femme Cléopâtre n'a pas vu plus loin que le bout de son nez, ce que je lui accorde en l'occurrence peut paraître compliqué. Mais surtout, déçu car femme qui rit à moitié dans son lit, mon client a compris que ce soir-là, il se retrouverait seul. Alors, je me pose la question. Le concubinage est-il une prison au sein de laquelle il est interdit de sourire? Ce qui s'ensuit pour mon client est dramatique. Il se retrouve seul au monde,
Il ne peut plus rien faire, il est seul au monde. Il ne peut plus se taire, il est seul au monde. Mon client désespéré a alors noyé son chagrin dans l'hydromel. Ce n'est pas une solution, mesdames, messieurs les juges, je vous l'accorde. Et je l'accorde à ma consoeur. Mais c'est la seule qu'il a trouvée à ce moment-là. En revanche, ma consoeur crie un peu trop facilement à l'alcoolisme, mais je ne lui en veux pas, elle débute. Alors, je me dois de vous rappeler que l'hydromel est un mélange à base de miel. Qu'est-ce que j'y vois, moi ? Eh bien, j'y vois simplement un homme en détresse qui a trop pleuré. Un homme en détresse qui a mal à la gorge. Un homme en détresse qui se soulage à base de miel. Plus sérieusement, quel homme pourrait vivre sous la menace de perdre ses enfants ? Alors oui, il aurait pu préférer le pot d'Agendas en chantant « All by myself », vous l'aurez compris, je ne parle pas anglais, mais mon client a opté pour bien boire un petit coup à la maison. Les goûts et les couleurs, mesdames, messieurs les juges. Alors je vais être brève. César aime Cléopâtre, César aime ses enfants, César aime l'Égypte, Cléopâtre, elle, n'aime personne. Ah, pardonnez-moi, on me dit à l'oreillette que j'ai fait une erreur. En effet, Cléopâtre aime Cléopâtre. Ses efforts pour soigner son apparence physique en sont d'ailleurs la preuve. Alors je m'interroge. Qui s'occupe des enfants lorsqu'elle décide à Alexandrie d'aller avec Alexandra jouer les Barbies siliconées ? César. C'est César qui s'occupe de ses enfants. Et pourquoi se fait-elle refaire le nez si c'est pour plaire aux hommes ? Cléopâtre serait-elle une jeune demoiselle qui recherche un mec mortel, un mec qui lui donnera des ailes ? Faisons un peu de droit. L'article 371-1 alinéa 2 du Code civil prévoit que l'autorité parentale appartient aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Alors de quoi s'agit-il ici ? Il s'agit, mesdames, messieurs les juges, d'éviter qu'une femme dangereuse ait la garde des enfants. Oui, Cléopâtre est dangereuse pour ses enfants. J'attire votre attention sur le fait qu'un simple mot de trop l'a conduit à l'hystérie et a chassé le père de ses enfants de son propre royaume. Pire encore, dois-je rappeler au tribunal que cette femme n'a pas hésité une seule seconde à tuer ses frères pour accéder au pouvoir ? Quel sens de la famille ? Il est certain, mesdames, messieurs les juges, il est certain qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants de rester avec Cléopâtre. Cette femme, en plus d'être égoïste, représente un réel danger pour ses enfants. Je vous le demande, ne prenons pas de risques. Rendez à César ce qui appartient à César. Confiez la garde des enfants à mon client. Mesdames, messieurs les juges, vous prendrez votre décision. Mais n'oubliez pas ceci. La chirurgie esthétique peut changer le nez d'une mère. Mais aucune chirurgie au monde ne pourra réparer le cœur de deux enfants. Merci beaucoup. Bravo. Merci, mesdemoiselles. Parfait. Une petite réaction d'un des membres du jury, peut-être. Peut-être un magistrat privé sur des questions purement privées. Oui, merci. Deux excellentes plaidoiries, comme on aimerait en entendre plus. D'abord parce que limité dans le temps à 5 minutes. Et puis parce que matinée d'humour, les deux, donc félicitations aux deux candidates. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant demander à mesdemoiselles Yael Lévy et Léa Coutré-de-Pradel, ainsi qu'à messieurs Clément Charamon, Arthur Lacroix et Marie Magui de se mettre en place. Alors, Yael et Léa, qui représentent Louis XVI, sont coachés par Franck Lamasse et Maverick Martins. Tout à fait, qui ne sont autres que les gagnants de l'an dernier, vous l'aurez compris. Clément, Arthur et Marvin sont coachés, eux, par Laure Romazotti. Laure Romazotti, qui bien sûr est une danseuse et une amie hors pair, et elle nous l'a bien prouvé lors des répétitions de cette soirée. Ils sont tous en première année de droit et ils vont traiter le cas suivant. Voilà bientôt 7 ans que le roi Louis XVI a épousé Marie-Antoinette. Des rumeurs se répandent dans le royaume. La reine refuserait de consommer le mariage. La célèbre troupe de troubadours, de petits corps fragiles et joués phares, s'empare du sujet et monte un spectacle. Le succès est immédiat au sein du royaume. La reine, excédée, demande à son mari d'intervenir et d'interdire le spectacle. Ce dernier refuse. Vexée, la reine décide de se mettre en grève. Elle ne sera plus reine jusqu'à nouvel ordre. Le conseil du roi les convoque pour mettre fin à cette situation périlleuse.
Petit mot du jury. Petit mot en latin. Hélas. Alors, pour mesdemoiselles Yael Lévy et Léa Coutret-Pradel. Nous leur proposons in dubio pro reo. Pro reo. Ah, pro reo, pardon. Qui veut dire le doute profite avec lui. In dubio pro reo. Le doute profite à la crise. Et pour nos amis masculins, non bis in idem, c'est peut-être plus facile. Non bis, non bis in idem, c'est-à-dire pas de peine pour la même pour les mêmes faits. Très bien. Vous avez chacun et chacune 5 minutes. Bonne chance. Sa peur d'être à la hauteur. Voilà les paroles à l'origine du trouble. Nous sommes réunis en ce 16 mai 1777, 7 ans jour pour jour après que Marie-Antoinette et Louis XVI se sont dit oui. Nous sommes dans une situation inédite qui plonge notre client dans une profonde détresse. La rumeur qui a fait l'objet d'un spectacle de saltimbanque, selon laquelle Marie-Antoinette aurait toujours refusé de consommer le mariage contracté avec notre client, est bien fondé. Pourquoi Marie-Antoinette se refuse-t-elle Louis ? Pourquoi refuse-t-elle que ces histoires de couple fassent autant de bruit dans le royaume que le rire de Thomas Moreto dans cette salle ? Cet Apollon au physique irrésistible, au charme inné, je parle bien entendu de Louis XVI, voyez par vous-même. Pourtant, nous avons même entendu dire qu'elle le surnommait Flamby. Nous rappelons au Conseil que la Cour d'appel de Grenoble a confirmé en 2000 l'obligation pour les époux de consentir à un rapprochement sexuel dès lors qu'ils sont entrés dans les liens du mariage et que le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute pouvant entraîner le divorce au terme de l'article 242 du Code civil, car, tout le monde le sait, le mariage dure plus longtemps sans ton caleçon. Mais quel aplomb faut-il à Dame Antoinette pour refuser d'accomplir son devoir conjugal quand on connaît ses activités extra-royales? En effet, Mademoiselle Antoinette se plaît à offrir son corps à une caméra en la compagnie d'un ou plusieurs partenaires. Vous me direz que la caméra n'existe pas à notre époque, mais je vous répondrai que nous venons de citer un arrêt de 2000 alors que nous sommes en 1777. Ah, nous ne sommes pas à une imprécision historique près. Vous l'avez compris, Mademoiselle Antoinette, ça donne au plaisir de la chair dans les locaux de start-up de l'industrie des films en couleur, dénommée Erta, le goût des choses simples. Et la liste de ces films est longue, des plus célèbres, tels que 20 000 vieux sous mes mères, ou À bout de souffle, aux plus champêtres, comme Écarte tes roseaux que je pêche au large. Des films qui ont su fidéliser nombre de téléspectateurs. Bref, nous n'allons pas vous faire un dessin, vous voyez le tableau. Mais comment oserait-elle refuser d'utiliser ses talents, son expérience, et quelle expérience, envers son cher époux qui plaît à plus d'une? Mon client est ébranlé à défaut d'autre chose. Elle aurait même dit « Mon mari n'a pas assez de pouvoir, et pour cause, il a un trop petit organe législatif. » Madame Toinette a tout à exiger l'interdiction de la représentation de la célèbre troupe de troubadours et de petits corps fragiles et jouets phares, susnommée Intim Bio Pro Hero. Or, la liberté d'expression est un droit fondamental cher au royaume. C'est pourquoi notre client n'a pas suspendu la pièce. En effet, premièrement, les faits relatés sont véridiques et de notoriété publique, d'où la nécessité de maintenir ce spectacle au nom de la liberté d'information. De plus, mon client, alors visé par ce spectacle, est aujourd'hui plus qu'heureux que le royaume en connaisse la vérité. Rappelons que la reine occupe un poste dans la fonction publique, étant alors agent du service public de la représentation nationale. Et à ce titre, son droit de grève n'est pas absolu. S'appliquent à elle les critères de la jurisprudence de elle. Et ainsi, elle ne pouvait, sans l'accord préalable de son mari, décider unilatéralement de faire grève. Mais nous ne connaissons que trop bien la détermination qui l'anime. Fervente membre des Femmes, organisation qui prône la libre utilisation du corps de la femme et dont le slogan est « I'm free, I have tout compris ».
reprenant ainsi la célèbre phrase de Jeanne d'Arc, « J'ai fri, j'ai tout compris ». Cette même Toinette qui s'est posée maintes fois comme une femme libérée, pourtant, tu sais, c'est pas si facile, cherchant même à montrer la voie de la bravitude à la populace. En effet, elle s'est encore récemment faite remarquer pour son rapprochement avec la contestation sociale qui veut s'attaquer à la thèse de notre roi, décidant de les guider on ne sait pour quelle raison en leur offrant des brioches. Je sais que vous vous attendez à ce que notre client demande encore une fois à madame de calmer ses ardeurs et de rentrer gentiment reprendre ses activités oisives. Mais non, c'est la provocation de trop pour le roi. Et c'est ainsi que nous exigeons à madame Toinette de quitter le palais. Il ne sera alors point nécessaire d'envoyer un oiseau bleu voyageur pour signaler, comme la dernière fois, je la cite, « Si tu reviens, j'annule tout ». Nous demandons le divorce pour faute. Notre client pourra alors convoler avec sa favorite dame Gallier, permettant ainsi le retour du roi loin des facéties de la future ex-reine. Et le pays ne sombrera pas dans une crise, car quand on a un homme neuf, on a une France en marche. Vive la monarchie et non l'abstinence! Mesdames, Messieurs, les membres de la Cour, j'exprime mes salutations distinguées à la Cour de Notre Altesse Louis XVI, ainsi qu'à la Reine et leurs nobles sujets, qui, par leur panache d'une incommensurable dimension, illuminent ces lieux éclatants. Trêve de courbettes, il est à l'ordre du jour d'aborder la question d'un mariage à consommer de préférence avant le 14 juillet 1789. Une question qui a laissé trop longtemps ennemis et détracteurs labourer telle une jachère mal entretenue la réputation de notre chère France et de notre couple royal chéri. Il s'agit tout d'abord de pouvoir trancher ces rumeurs calomnieuses afin d'éviter que nos deux protagonistes ici présents ne perdent la tête dans un avenir proche. Un nouvel élément nous est parvenu, que nous pourrions qualifier d'éminemment proéminent dans sa forme, mais qui en revanche ne l'est pas vraiment dans le fond. En cette anecdote douteuse, nul Cerbère délibéré de son antre, ni étalon croisant le vent dans d'impénétrables forêts, la réalité est dure, pas comme notre cher Louis. Nous allons maintenant basculer dans un langage adapté pour ne pas choquer les âmes sensibles de ce conseil. Oui, mesdames et messieurs, le roi semble être impuissant, et c'est le duc d'Aiguillon lui-même qui le suggère au comte de la Marmoraye dans une lettre. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Les indices que le frein comprime tellement le prépuce qu'il ne se relâche pas au moment de l'introduction. Il lui cause une douleur vive qui oblige sa majesté à modérer l'impulsion nécessaire pour l'accomplissement de l'acte. Il s'agirait de rétablir un soupçon de vérité, car malgré les rumeurs et racontars, notre reine n'en demeure pas moins aimante, pure, vierge et cristalline. Ça coule de source. Notre reine est la limpidité incarnée, sans colorant ni conservateur. Notre reine, une catin, que nenni. Notre reine, une fille de joie, foutaise. Notre reine, sur Tinder, baliverne. Notre reine, sur adopte une autrichienne délurée.com, calomnie et encore calomnie. Ce tissu de médisance étant maintenant passé au fil de la guillotine, nous pouvons donc nous pencher sur les vraies raisons de cette négation. Et je tiens à vous dire que je pèse mes mots. En effet, c'est bien plus qu'une simple grève que ma cliente entreprend. On assiste à un véritable sacrifice total de ses privilèges au nom d'une cause juste, l'honneur de la monarchie. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous décrire la définition d'un pamphlet. Un pamphlet est un écrit satirique qui attaque un adversaire. Texte agressif, violent, voire cru, qui peut prendre la forme d'un article ou encore d'une pièce de théâtre. Ces écrits commencent à se multiplier au sujet de la reine. Bordel royal, les amours de Charlot et Toinette, le Godmiché royal, tous plus odieux les uns que les autres, ces textes prônent la multiplication des partenaires sexuels de la reine. Voici un extrait d'ailleurs de Bordel Royal qui est historique. « Je me fous de ma majesté pourvu qu'on me fasse bien aise, plus d'une reine a tout quitté pour foutre ardemment à son aise. » Vous l'aurez compris, ce spectacle de ce petit corps fragile et de ce joyeux farad ne fait pas exception à la règle. C'est la nation entière qui semble avoir accès au corps de la reine, à l'exception du roi, bien entendu. Ces troubadours se servent d'une arme, le rire. L'utilisation du langage grossier, voire pornographique, et le portrait moqueur qui est fait de la sexualité royale, permet de déplacer le simple spectacle pour porter une atteinte symbolique à la figure de la monarchie. Le corps de la reine, central dans cette monarchie, je vous le rappelle, de par sa fonction reproductrice, est livré au spectateur. On ne se contente pas d'attiser la haine contre ma cliente, on appelle ce même spectateur à jouir de son corps montré nu, décrit avec une excessive vulgarité. La beauté de la reine, alors, loin de la servir, devient une arme. Alors oui, mesdames et messieurs les membres du conseil, nous estimons que le libre cours laissé à ce spectacle par le roi est dangereux. C'est une entreprise de désacralisation qui souille la royauté,
Plus le public se lève de la reine, moins cette dernière est sacrée. Marie-Antoinette devant une gourgandine que les spectateurs placent en position de voyeur convoite. La situation est critique. Il faut être ferme contre toute atteinte à la monarchie qui est aujourd'hui au bord de sa chute. Non bis in idem. Maintenant que les rumeurs se sont révélées sans fondement et que nous avons démontré la gravité d'un tel spectacle, il est temps de justifier, mesdames et messieurs les membres de la cour, que cette très chère Marie-Antoinette était tout à fait dans son droit lorsque celle-ci a décidé de se mettre en grève. Ce droit, pleinement reconnu à l'alinéa 7 du préambule du décret royal du 27 octobre 1646, obtiendra valeur suprême sacrée avec la décision « main dans les poches » rendue par le Conseil royal le 16 juillet 1671. Cette décision reconnaît la valeur sacrée du préambule du décret royal de 1646 et donc par ricochet va admettre la valeur suprême sacrée du droit de grève. Lorsque ma cliente a décidé de se mettre en grève, celle-ci a donc décidé de jouir de la liberté fondamentale qu'est le droit de grève. Louis perd la tête et cela finira par conduire à une révolution. Celui-ci devrait réfléchir à tête reposée et il s'apercevra que ma cliente est une femme souciante de son bon plaisir qui fait tout pour ne pas lui prendre la tête. Mesdames et messieurs les membres du Conseil royal, laissez-moi donc vous rappeler une dernière fois les points essentiels à cette sortie de crise. Afin de faire taire au plus vite les rumeurs, ma cliente doit donner naissance à un héritier. Et pour ce faire, son frère Joseph II devra être mandaté auprès du roi afin de connaître les causes de son impuissance. Le roi devra accomplir tout ce qui lui sera recommandé pour enfanter la reine. Enfin, il est primordial, comme nous l'avons déjà déclaré, que le roi fasse preuve de fermeté envers le spectacle de ce petit corps fragile et de ce joyfar, ainsi que contre tout pamphlet qui désacralise la royauté. Il en va, vous pouvez le concevoir, de la survie du royaume, et c'est pour cela que nous demandons la publication d'un décret officiel prononçant la peine capitale pour ce genre de saltimbanque. Car la grève continuera jusqu'à publication de ce décret. Pour conclure, en l'absence d'un changement profond, radical, et selon la théorie de la séparation des boudoirs de Montesquieu, la reine pourra envisager de quitter le domicile conjugal pour un bon appart ou un château brillant. Nous demandons donc au roi de faire le nécessaire afin d'éviter à tout prix au couple royal de devoir s'expliquer sur le plateau de la célèbre émission « On n'a pas couché ». Votre Altesse, mesdames et messieurs les membres du Conseil royal, notre salut est entre vos mains. Merci beaucoup. Merci. Merci pour qui dans le jury souhaiterait réagir à ces très belles plaidoiries. Moi, j'ai toujours un étonnement très fort de voir des étudiants de L1 droit à la fois oser s'exprimer comme ça devant tant de monde et le faire avec tant de talent, parce que je me rappelle moi-même en première année, j'étais bien incapable de à la fois oser et à la fois le faire. Donc pour ça, ne serait-ce que pour ça, grand bravo. Et qui souhaite réagir dans le jury? J'ai entendu des plaidoiries bien pires que ça. Merci messieurs beaucoup. Les présidents. Alors, nous allons demander à mademoiselle Lucie Morel et Manon Sodiou, ainsi qu'à mademoiselle Camille Rius et monsieur Charles Gelf de se mettre en place, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez les applaudir. Oui. Lucie et Manon, qui sont respectivement en deuxième et troisième année de droit, et qui sont coachées par Laura Daïdi. Laura, dont on peut dire que malgré son grand âge, elle a gardé une passion pour les princesses Disney. Voilà. Et mademoiselle Rius et monsieur Gelf sont coachés par Quentin Giraud. Comment le décrire, si ce n'est que ce que l'on pourrait dire, c'est qu'il chante des chansons à caractère sexuel à longueur de journée. Quel cas ont-ils à traiter, ma chère Pauline? Eh bien, Thomas, ils devront plaider sur le sujet suivant. Verlaine annonce à Rimbaud qu'il le quitte pour retourner avec sa femme Vanina. Fou de rage, Rimbaud détruit sa collection de 33 tours de Dalida et le menace de devenir le 7e membre des Village People. Ne supportant pas cet affront et ce chantage, Verlaine finit par tirer sur Rimbaud et le blesse grièvement. Au cours du procès, les deux amants se disputent les responsabilités. Nos mesdemoiselles représenteront Rimbaud et Monsieur Gelf et Mlle Rius représenteront Verlaine ce soir. Des petits mots de la part du jury? Un peu moins difficile, me semble-t-il, notamment pour des juristes. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pour Monsieur Gelf et Mlle Rius? Pater familias. Le père de famille. Merci beaucoup. Vous avez chacun et chacune 5 minutes. Très bonne chance.
le président, mesdames, messieurs les jurés, ce soir se joue le sort de notre client, le jeune Arthur Rimbaud. Cet adolescent si frais, plein de verdeur, ce poète capable de toutes les abnégations, blessé, touché au cœur par Verlaine. C'est donc pour défendre les valeurs pures et vertueuses incarnées par Rimbaud que nous vous démontrerons non seulement l'irresponsabilité de notre client, mais également l'obligation pour Verlaine de répondre des actes qu'il a commis. D'abord, sachez, mesdames, messieurs, que si Sieur Rimbaud a cassé la collection des 33 tours de Dalida de Verlaine, c'est bien parce qu'il est devenu fou. Oui, fou, et cette folie n'est que le fruit d'une manipulation orchestrée par Verlaine. Oui, Verlaine, ce baratineur, ce manipulateur et ce beau parleur qui lui a transmis la maladie d'amour. Car oui, elle court la maladie d'amour. Voyez par vous-même les lettres que lui écrivait Verlaine. Comment ne pas devenir fou d'amour à la lecture d'une telle verve ? Je cite. « Votre père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans vos yeux. » Parole, parole, parole. La folie qui a ainsi touché notre pauvre client a d'ailleurs été constatée par le renommé docteur Maboule. « Le patient, monsieur Rimbaud, souffre de jalousie excessive et intempestive à l'égard des rivaux. » Je constate une forte impuissance cardiaque et des troubles du comportement. Par ces motifs, je déclare le patient immédiatement dément. Cette relation basée sur la manipulation et le mensonge a fait de Rimbaud un être plus vulnérable que jamais. Or, conformément à l'arrêt Giraud de la Tourette, rendu en 1866 par la Cour de cassation, un insensé n'ayant pas de volonté ne saurait être responsable, même civilement, des faits accomplis par lui pendant l'état de démence. Dès lors, et parce qu'il est dément, notre client ne pourra pas être tenu responsable pour avoir détruit la collection de 33 tours. D'ailleurs, Rimbaud n'aurait-il pas plutôt œuvré en faveur de l'intérêt général ? Je vous le demande. De surcroît, Verlaine se méprend lorsqu'il se dit victime d'un chantage. Selon lui, Rimbaud l'aurait ainsi menacé. Si tu me laisses, je t'emmènerai au 7e ciel. Je deviendrai le 7e membre des Village People. Mais en réalité, notre client lui a simplement murmuré « Si tu me caresses, je t'emmènerai au 7e ciel, au coin du village Montpopol. » Alors, Paul Verlaine, n'auriez-vous pas un penchant pour l'absinthe ? Seul un état d'ébriété pourrait expliquer cette mauvaise interprétation. Toujours est-il que le 9 juillet, Verlaine, tiraillé entre le cœur et la raison, est tombé sur une publicité. Tu aimes deux personnes en même temps ? Pour savoir qui choisir, envoie Julie ou Valérie par voie épistolaire et notre astrologue te répondra. C'est ainsi que dans la dramatique journée du 10 juillet, après avoir annoncé à Rimbaud qu'il le quittait pour retourner avec sa femme Vanina, il s'est procuré une arme à feu. Dans un terrible affront, le pauvre Rimbaud, déjà malade et meurtri par la nouvelle, a vu son amant lui tirer dessus à au moins 138 reprises. Un homicide qui, grâce à l'alcoolisme, aura été évité. À ce propos, je me dois de vous rappeler l'article 121-5 du Code pénal qui dispose « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a manqué son effet qu'en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » En l'espèce, Verlaine a tout mis en œuvre pour atteindre son objectif, celui de tuer le fébrile Rimbaud. La volonté de commettre l'homicide ne fait aucun doute. Seule la maladresse de Verlaine, due à son état d'ivresse, l'a empêché de commettre l'irréparable. Dès lors que les conditions de la tentative d'homicide sont réunies, Verlaine doit être déclaré coupable. Oui, coupable, mesdames, messieurs. Aussi, Verlaine devra réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle telle que prévue par l'article #je_suis_1382 les préjudices corporels qu'il a ainsi causés à notre client. En tirant maladroitement, Verlaine a effectivement blessé Rimbaud à tel point que ce dernier a dû subir une amputation du poignet. Cela a été constaté par l'expertise médicale du Dr House. Dr House ? Monsieur Rimbaud a subi une ablation de l'extrémité de son bras droit. Une greffe n'est pas envisageable, oubliez-la, je l'invite à prendre conseil auprès de Jamel Debbouze. Pour finir, Monsieur Verlaine devra être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité pénale pour tentative d'homicide volontaire. À ce titre, nous vous demandons de le condamner à une peine de réclusion criminelle au cours de laquelle il devra méditer sur la phrase du grand poète contemporain Nicolas Sarkozy. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez
renverser la durex lex et lex, que vous descendez de la voiture, dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. PS, l'adresse email, c'est jeunesdemoiselles.recherche@hotmail.fr. Si vous pouvez joindre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, très chers consoeurs, public chéri, mon amour. Verlaine, que nous avons l'honneur de représenter aujourd'hui, regrette sincèrement son acte, mais l'assume courageusement. Il apparaît alors important de vous rappeler qu'en vertu de la loi relative aux poètes maudits, qui réaffirme le principe d'individualisation des peines, le juge se doit d'apprécier librement la peine au regard de la qualité de la personne jugée et du contexte dans lequel a été commis l'acte prohibé. C'est pourquoi nous commencerons par vous parler de la relation qu'entretenaient Rimbaud et Verlaine, en décrivant la personnalité de chacun. Ensuite, nous vous expliquerons les motivations qui ont poussé Verlaine à tirer sur Rimbaud. Intéressons-nous tout d'abord à Rimbaud. Excellent manipulateur, provocateur et soulard à ses heures perdues, Rimbaud est la caricature même du cassos de base. Dans sa jeunesse, celui-ci enchaînait les fugues et les excès en tout genre, sexe, drogue, alcool et même tuto make-up sur YouTube. Dans sa jeunesse, excusez-moi, ça je viens de le dire, c'est ma première plaidoirie, c'est pour ça, s'est perfectionné dans le domaine, s'est radicalisé et aujourd'hui vend des armes au Moyen-Orient. En outre, son casier judiciaire était déjà bien rempli, contrairement à celui de Verlaine. En effet, on y trouve différentes mentions, telles que coups et blessures sur les frères Bogdanov, qui ont eu de graves séquelles esthétiques, ou encore atteinte à la dignité humaine de Valbuena lors du célèbre concours du lancer de nains. Pourtant, notre client a tout fait pour ce petit délinquant. Et malgré leur différence d'âge, il est finalement tombé amoureux. Mais ne soyez donc pas choqués. Il n'y a rien de choquant qu'un gamin de 17 ans ait une relation avec un barbu qui fait deux fois son âge. Vous savez, de nos jours, les enfants sont précoces. Au porno à 8 ans, au tournant à 12. Il est donc normal que pour eux, l'âge ne soit qu'une notion relative. Par ailleurs, il est dans la nature de Verlaine d'apporter son aide à ceux qui en ont le besoin. Par exemple, il donne des cours de rime à Booba, et c'est pas gagné. Ou encore, des cours de diction à Bayrou. Oui, Verlaine aide tous les cas désespérés. De surcroît, Verlaine est à la poésie ce qu'est Depardieu à l'alcool, ou une femme de ménage à DSK. Mais que serait la France sans les poèmes de Verlaine? Dois-je vous rappeler que c'est un poème de Verlaine qui a permis le débarquement et qui nous a chassés de ces nazis? Il fait d'ailleurs encore trembler les petits mouvements fascistes qui portent la couleur bleu marine. Enfin, Verlaine était un grand sentimental. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à retourner avec son ex-femme, Vanina. Ah, 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 ah. Mais c'était un bon pater familias. Voilà, aussi. Il faut savoir que Vanina est tombée en grande dépression lorsqu'elle a entendu pour la première fois la pathétique chanson que son frère Dave lui avait écrite. Verlaine n'a pu se résoudre à ignorer les appels au secours de cette dernière qui avait besoin de lui. Elle lui chanta alors « Je suis fou de toi, Vanina Nina ». Maintenant que la personnalité exemplaire de Verlaine vous a clairement été établie, il semble évident que Rimbaud a provoqué notre client, l'a poussé à bout et a donc participé directement à la réalisation de son propre préjudice. En effet, on aurait pu penser que les 33 tours de Dalida n'étaient pour Verlaine que des paroles et encore des paroles que tu sèmes au vent, mais non, c'était bien plus que cela. Rimbaud n'était pas sans savoir que Verlaine était le fils caché de Dalida et que ce dernier a été anéanti par sa mort. Elle qui était un exemple pour Verlaine. Elle qui a tout choisi, sa vie, sa carrière et même sa mort. Car après tout, ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Rimbaud savait alors parfaitement que son geste allait anéantir, allait détruire Verlaine. Cependant, Rimbaud ne s'est pas arrêté là. Il a fallu en plus qu'il menace d'intégrer les Village People alors qu'il avait conscience du terrible passé entre Verlaine et le cow-boy de ce même groupe. En effet, alors qu'il menait une vie amoureuse remplie de gaieté,
Un jour, alors que Verlaine faisait le guet, en attendant son cher et tendre, il s'aperçut que le cow-boy le trompait avec Jolly Jumper. Un cheval. Verlaine fut anéanti et mit énormément de temps à guérir de son chagrin. Un cheval. Le seul but de Rainbow était donc bel et bien de provoquer Verlaine. Un cheval. De surcroît, malgré la trahison de Rainbow, Verlaine s'inquiétait sincèrement pour le tournant qu'allait prendre la carrière de Rainbow s'il intégrait les Village People. Il n'y a qu'à écouter les paroles de ce boys band. Mais, j'ai peur de l'eau. Hey, mec, regarde. J'ai le mal de mer quand je regarde la télévision. Ils te veulent dans la marine. Pour conclure, puisqu'ils sont tous les deux fautifs, renvoyez-les donc chacun libre, mais malheureux, car comme le disait le très célèbre poème de Rimbaud, il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses. De cette façon, nous serons bien heureuses. Et si votre vie a des instants moroses, du moins, nous serons, n'est-ce pas, de pleureuses. Merci beaucoup, bravo! Un petit mot du jury, peut-être. Une réaction sur ces deux très belles plaidoiries. Non, j'ai appris le nom du syndrome de Giraud de la Tourette, qui m'explique beaucoup de choses. Mais c'est un private joke. Maître le tas, micro. Oui, je pense que quand on plaide pour quelqu'un, on prend toujours quelque chose, un petit peu de son client. Là, je pense que vous avez pris les drogues de vos clients. En fait. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, applaudissez très fort. Simplement, avant de rendre l'antenne, un petit coucou à Julie Lossat qui nous regarde devant sa télévision, enfin son iPad plus exactement. On l'embrasse très fort, son papa est dans la salle et on espère qu'elle va nous revenir très vite, elle nous manque. Bisous Julie. Et nous allons marquer maintenant une courte pause, nous invitons à aller au bar. Tout à fait, allez au bar, restaurez-vous, c'est important, buvez un petit coup surtout. Et voilà, à très vite, un petit peu de musique pour vous faire patienter. Et on vous retrouve dans un petit quart d'heure. Tout à fait. Allez, s'il vous plaît, on applaudit très fort une nouvelle fois le jury de ce concours de plaidoirie, s'il vous plaît. Merci pour eux. Bien. Nous allons donc reprendre ces battles. Maître Chapoline, avec qui comme candidat ce soir? Alors, nous accueillons maintenant Baptiste Pérou, qui représente Bonnie, et Lucie Lambert-Dasquet, pardon. Qui représentera Clyde ce soir. Avec Alexis Lahut, bien sûr. Ah oui, tout à fait, ils sont deux. Alors, Baptiste est en deuxième année de droit et son coach est Alexis Elorza. Alexis qui fait une thèse en droit de la famille et donc il a toute sa place parmi nous ce soir. Tout à fait, ma chère Pauline. Et Lucie Lambert-Dasquet et Alexis Lahut qui sont donc en L3 droit public sont coachés par vous-même, Pauline. Et tout à fait, Thomas. Que dire de vous, si ce n'est que même si vous avez goûté au plaisir des palais, puisque vous étiez il n'y a pas très longtemps au Conseil constitutionnel, vous êtes revenu à l'Opercaille, à la de paix sans problème, et je suis très flatté que vous ayez choisi encore ma personne pour vous épauler ce soir. Et tous les plaisirs est pour moi. Très bien. Alors, le cas qui est à traiter pour ces jeunes gens est le suivant. Bonnie and Clyde sont sous le choc. Ils viennent d'apprendre l'infertilité de Clyde. Bonnie ne conçoit pas sa vie sans enfant, et alors que Clyde avait décidé d'arrêter les braquages, elle finit par le convaincre d'en faire un dernier gros coup. Braquer la banque de sperme de Dallas, la BNP, la Banque Nationale du Pénis.
Malheureusement, le braquage tourne au fiasco et les deux amants sont arrêtés. Durant les interrogatoires, l'agent Navarro du FBI propose à Bonnie une réduction de peine si elle témoigne à charge contre Clyde. Bonnie et Clyde se retrouvent confrontés devant la cour de castration. Les petits mots du jury. Les petits mots. Alors le premier, même moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Post hoc ergo propter hoc, qui a posé c'est vous? Rien de bien compliqué. Ça veut dire après ça et à cause de ça. Ce qui est un raisonnement tout à fait abscon qui consiste à croire que tout ce qui arrive après quelque chose est la cause de ce qui s'est passé avant. Donc post hoc ergo propter hoc. Très bien. Et pour mademoiselle Lambert-Dasquet et monsieur Lahute, je dois répéter malgré tout. Donc post. Non, c'est bon. Ah, vous l'avez. Oh, ok. Et pour vous, c'est beaucoup plus facile. Mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup, monsieur le président. Que la bataille commence. Vous avez 5 minutes chacun. Bonne chance. Et bon courage. Mesdames, messieurs les juges, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour nous pencher sur le cas épineux de Dr. Bonnie et Mr. Hyde. Clooney et Blythe. Non, what else? Barbie et Ken. Non, ça c'est un divorce. Pardonnez-moi, j'ai de temps en temps la mémoire qui fait défaut. Je fais partie des amnésiques anonymes. Post hoc ego propter hoc. Mais pourquoi je dis ça, moi? Excusez-moi. Ah, ça y est, je l'ai. Bonnie et les cafards. Non, ça c'est de la salubrité publique. C'est comme dans la chanson. Bonnie and Clyde. Ah, voilà. Bonnie and Clyde. Voilà, c'est ce dossier. Nous pouvons commencer. Merci la chanson de Gainsbourg. En premier lieu, je me présente devant la cour de castration, juridiction au sommet de l'ordre jouissif, pour que justice soit faite. Il est évident que Bonnie Parker a commis quelques infractions. Cependant, pourquoi l'avoir fait? Elle caressait le rêve mélancolique d'avoir une descendance commune avec Clyde Barrow, un grand criminel. Coup de tonnerre. Clyde a été diagnostiqué infertile. Cette révélation fut un déclic sans précédent dans la vie de ma cliente. Elle a compris que tous les efforts entrepris pour réaliser son rêve étaient aussi vains que si elle avait tenté de retenir la brise entre ses douces mains. Dès lors, elle a voulu changer de vie, troquer le goupillon pour le biberon, la redevance pour l'alliance, l'escapade pour l'escalade vers le septième ciel. En un mot, chasser Clyde Barrow de sa vie et ne plus être embêtée par son Barrow ardent. Pour tirer un trait définitif sur sa vie passée, elle a voulu témoigner contre son ancien amant. Bonnie la criminelle n'est plus, elle a laissé place à Bonnie l'exemplaire. Si ma cliente a bien une chose en tête, c'est de se rattraper, donc elle aide la justice de son pays. Cela étant, comment ce changement radical de mode de vie se manifeste-t-il? De la manière la plus noble qui soit, en retournant vivre auprès de celui à l'égard duquel sa flamme subsiste, son mari, le vrai Roy Thornton. Ainsi, en sachant très bien que son concubinage adultère avec Clyde Barrow était terminé, elle a souhaité faire un geste à son égard. Elle lui a proposé un dernier gros coup. Il n'a jamais été question de braquage, de banque. Il s'agissait simplement d'un dernier moment du niseux passé avec son Tristan. Clyde a compris ce qu'il a voulu comprendre et, plutôt que de satisfaire son désir charnel, une dernière fois, il a préféré aller braquer une banque du sperme. Ensuite, la partie adverse va essayer de démontrer que Clyde a usé de persuasion, de provocation, pour que Clyde effectue ce braquage. Bonnie n'avait aucun intérêt à ce que Clyde perpétue un tel délit, elle s'apprêtait à ne plus jamais le revoir. De surcroît, la provocation est le fait de pousser autrui à commettre une infraction. Elle peut être exercée de 5 manières. Le don, Bonnie n'a strictement rien offert pour soudoyer Clyde. L'abus de pouvoir, elle ne pouvait pas faire pression à son égard, il savait qu'elle allait partir. L'ordre, c'était lui qui portait le flingue dans le couple, elle n'avait aucun moyen de faire pression sur lui. La menace, la promesse, dans les deux cas, la décision de Bonnie était définitive, et quelle qu'aurait été la réaction de Clyde, c'en était fini de leur vie commune. Aucune promesse de retour ou de menace de départ ne pouvait être envisagée. Donc, même le plus naïf être humain de cette planète ne pourrait croire que Clyde a été influencé. En effet, pouvez-vous croire que cet homme qui tue de sang-froid puisse voir ses instincts les plus primaires flattés par une douce enchanteresse? Soyons sérieux, nous sommes devant la cour de castration, un peu de tenue. Si quelqu'un ici dispose d'un libre arbitre, c'est bien Clyde Barrow. Vous constatez à l'envi
que deux avocats ne seront pas de trop pour défendre Mr. Clyde, tant il est indéfendable. Enfin, je vais citer l'accusé. Le témoignage a été recueilli dans la chanson de l'illustre Serge Gainsbourg. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Alors, si Clyde tremble pour Bonnie, qu'il la laisse en paix et qu'il assume ses responsabilités. Au fond, pourquoi avoir témoigné à charge contre son amant? Ce n'est pas tellement pour une réduction de peine, mais pour protéger son enfant. Oui, monsieur le président, ma cliente est enceinte de son mari. Elle veut un état irréprochable, car elle veut éviter que son enfant se perde là où elle s'est perdue. Cette démarche procède d'une raison très simple, l'amour de l'état de droit et des valeurs fondamentales de la République. Je prends quelqu'un au hasard dans la salle d'audience. Tu es la France. Tu dis que notre pays va mal. Tu as peur de l'état d'urgence liberticide qui accuse n'importe qui et la montée de l'intolérance t'inquiète. Tu perds espoir. Je te dis, il n'y a qu'une seule réponse. C'est la tienne. Tu es le peuple. Alors, monsieur le président, répondez-lui. Répondez à chaque citoyen, sans distinction de sexe, de religion, de couleur de peau ou d'orientation sexuelle. Répondez à tout le pays au nom duquel vous rendez la justice, que vous laisserez une innocente vivre en paix, mais que le véritable criminel multirécidiviste sera sanctionné comme il se doit. Répondez que les temps auront été sombres, mais que vous avez tout fait pour y apporter la lumière. Je parle au cœur qui bat sous la robe austère de la justice. Au nom de la paix sociale, du vivre ensemble et de la sécurité pour tous, protégez une innocente mère en puissance. Je me présente devant vous pour empêcher l'horreur insupportable selon laquelle on pourrait dire « L'état de droit est mort parce que nous n'avons rien fait pour le protéger ». Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, bonsoir. Nous avons eu très peu de temps pour étudier ce dossier et c'est donc un premier jet que nous vous livrons. Tout d'abord, je dois dire que je trouve pour le moins étrange de nous retrouver aujourd'hui devant la cour de castration pour traiter d'un problème d'infertilité. Déjà que mon client est infertile, si en plus il doit se les faire couper... Passons, si vous le voulez bien, au cas qui nous préoccupe aujourd'hui et qui met à l'honneur la grandeur d'âme, que dis-je, la magnanimité de Madame Bonnie Parker. En l'espèce, c'est bel et bien Madame Parker qui a eu l'idée de ce brillantissime braquage. En effet, je cite l'effet brillamment rappelé par Maître Dupont-Moretto ici présent. Alors que Clyde avait décidé d'arrêter les braquages, elle finit par le convaincre de faire un dernier gros coup, braquer la banque de sperme de Dallas. L'intention de commettre ladite infraction est donc logiquement imputable à Madame Parker. Nous allons dans un instant vous prouver que cette dernière est l'unique responsable du braquage en question, mais nous souhaitons préalablement revenir sur la soi-disant infertilité de mon client. Cet élément, qui est considéré pour beaucoup comme acquis, n'est même pas avéré, alors qu'il a toute son importance puisqu'il constitue le mobile du braquage. Vous avez d'ailleurs pu remarquer que l'avocat de la partie adverse a habilement pris soin d'éviter la question. J'ai à ce sujet, pour défendre mon client, une preuve pertinente qui nous provient d'une source aussi sûre que fiable. J'ai nommé, vous l'aurez compris, BFM TV. En effet, alors que cette brillante chaîne d'information relate une énième course-poursuite de la police avec nos chers Bonnie and Clyde, elle emploie alors des termes qui sont loin d'être anodins. Je cite... Craignant que Clyde, tireur hors pair, ne parvienne à saisir son arme, les six officiers s'extraient de leur embuscade pour cribler l'automobile de balles. Il faut être bien naïf pour croire que c'est à l'arme à feu qu'il est fait référence ici, lorsque les journalistes parlent de l'arme de Clyde et de sa réputation de tireur hors pair, si vous voyez où je veux en venir. Je rappelle en outre que mon client a tout de même eu son CAPA, certificat d'aptitude à la procréation artisanale, et que c'est même un devoir, au sens de l'article 627 du Code civil, de jouir raisonnablement en bon père de famille. Au vu de ces éléments, l'infertilité de mon client est bien loin d'être avérée. Et à cette chère Bonnie Parker, qui a été bien vite en besogne en prenant cet élément pour acquis, nous lui rétorquons cet adage célèbre et ô combien pertinent, c'est celui qui l'a dit qu'il est.
Et puis, franchement, entre nous, quel crédit peut-on accorder à la parole d'une femme ? On n'avait pas dit ça ? Si, on l'avait. Non ? Même pas sous-entendu ? Enfin bon, on est tout de même en 1934. Et en l'état actuel du droit, les femmes ne peuvent pas voter ou même ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Enfin bon, passons. Il convient désormais d'entrer dans le vif du sujet afin de vous démontrer que Bonnie Parker, que c'est à Bonnie Parker que ce braquage est bel et bien imputable et que la participation de notre client à une telle entreprise est la résultante d'un stratagème alliant pression psychologique et physique de la part de cette vipère. En effet, cette dernière n'a pas manqué d'imagination pour entrer dans mon client dans sa sordide opération. À titre préliminaire, on note que ce coup s'annonçait juteux et c'est bien madame qui avait besoin de liquide. Peut-être voulait-elle ainsi acquérir des actions en bourse à défaut d'avoir des bourses en actions ? Madame a tout d'abord proféré des menaces de mort à l'encontre de mon client en lui adressant le fameux « la bourse ou la vie » qui prenait ici, vous le comprenez, tout son sens. Or, les menaces de mort constituent une infraction au sens de l'article 222-17 du Code pénal et sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Madame a également fait subir à mon client une pression psychologique insoutenable. Ce notamment en fredonnant à longueur de journée « Où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es ?» Ou encore en lui murmurant des locutions latines incompréhensibles telles que « Mensa sana en corpo sano ». Elle a donc fait subir à Clyde Barrow un véritable harcèlement moral selon l'article 222-33-2-1 du Code pénal qui condamne le fait d'harceler son partenaire par des propos ou comportements répétés ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Vous conclurez donc que Bonnie Parker est l'unique responsable du braquage de la BNP de Dallas. Vous la condamnerez ensuite pour les menaces de mort proférées à l'encontre de Clyde Barrow. Vous jugerez enfin Madame Parker coupable d'harcèlement psychologique. Oui, la pilule risque d'être dure à avaler pour cette chère Bonnie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, mon client est un homme bafoué, déshonoré, sali, qui ne se fait plus poker sur Facebook, qui ne matche plus sur Tinder, qui n'est même plus screenshoté sur Snapchat lorsqu'il fait une grimace. Et qui se retrouve sans logement. Même Jawad n'a pas voulu de lui. Enfin, Kate Barrow a perdu tout espoir de trouver du travail. Lui, la risée des cambrioleurs. C'est pourquoi nous comptons, si nous n'obtenons pas gain de cause, intenter une action devant la cour des hommes prudes. Des prud'hommes. Je vous remercie. Merci beaucoup, bravo. Merci. Un petit mot de réaction de la part de notre cher jury. Réagir. Ça va être dur. Je ne voudrais pas faire partie du jury. Merci, monsieur le président. Et moi, pas le président. Merci beaucoup. Bravo donc, bien sûr. Alors, ma très chère Pauline, passons au candidat suivant, les derniers candidats de ce soir. Nous accueillons, s'il vous plaît, messieurs Marc Guyot et Florent Lacarrère, qui sont venus avec un bus ce soir apparemment, et mesdemoiselles Amandine Darmanin et Élisée Lassalle, s'il vous plaît. Deux bus. Alors, messieurs Guyot et Lacarrère sont en Master 1 droit et contentieux des contrats publics. C'est un master merveilleux, j'en profite pour le dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de L3 dans la salle, n'hésitez pas pour l'an prochain. Merci Thomas, le master DCL n'est pas mal non plus. Tout à fait. Et puis donc, mesdemoiselles Darmanin et la salle sont en main, 3 privés général. Alors, les garçons représenteront Hillary Clinton, tandis que les filles, elles, représenteront Bill Clinton. Alors, messieurs Guyot et Lacarrère sont coachés par Ellie Guerrero. Alors, Ellie a développé une collection de disques d'Abba et de Céline Dion dans sa voiture. Mais c'est toujours un bonheur de faire un bout de chemin avec lui. Tout à fait, ma chère Pauline. Et puis, mesdemoiselles Darmanin et Lassalle sont coachées par mademoiselle Priscilla Elon, qui, on la surnomme Prisquette, et surtout, c'est la bonne copine des pauses café et des pauses cigarettes, mais ça, il ne faut pas le dire ce soir, Pauline. Tout à fait, Thomas. Alors, quel cas ces jeunes gens vont-ils traiter ce soir ? Alors, le sujet est le suivant. La campagne présidentielle bat son plein. Hillary Clinton est en tête des sondages. Son comptable numéro bis lui fait part d'une terrible découverte. Pendant des années, son mari Bill
lui a caché l'existence d'un compte offshore sur lequel dort de l'argent issu d'un trafic de mimolettes. Aliment pourtant interdit sur le territoire américain par la Food and Drugs Administration, Hillary apprend que Bill a, pour l'occasion, bénéficié du soutien de sa secrétaire Monica, qui a pipé les relevés de compte commun des époux. Hillary, trahie et craignant pour son élection, demande le divorce. Les époux se retrouvent devant le TGI, Tribunal des gouvernants infidèles. Un petit mot du jury, enfin deux petits mots du jury pour Hillary. Pour Hillary, ça sera dur. Timeo Danaos et Donna Ferentes, vous connaissez ? Timeo Danaos et Donna Ferentes. Je crains les Grecs, y compris lorsqu'ils font des cadeaux aux dieux. Et pour Bill Clinton, le cadeau, c'était le cheval de Troie. Et là, c'est beaucoup plus facile, mais c'est le sort qui veut ça. Alea jacta est. Le sort en est jeté. C'est parti. Merci. Merci. Vous avez 5 minutes chacun. Bon courage. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges des grandes infidélités, chère assemblée, chers concurrents, quelle joie de vous retrouver. Ce soir, nous sommes réunis pour laver l'honneur d'une femme, restaurer son entière dignité et lui permettre de devenir présidente des États-Unis d'Amérique. En effet, mesdames et messieurs, nous sommes en effet en mesure de vous prouver que si Bill Clinton ne s'était pas comporté comme le pire des maris toute sa vie, sa femme Hillary Clinton, ce soir, serait en tête de la course présidentielle. Mesdames et messieurs les juges, ce soir, vous allez prononcer le divorce des époux Clinton au tort exclusif de Bill Clinton. Oh, j'ai un petit trou, pardon. Mais vous ne prononcerez pas ce divorce sur la base d'un unique trafic de mimolettes. Non. Devant un tribunal civil tel que le vôtre, c'est la personnalité tout entière de Bill Clinton qui devra être prise en compte. D'une part, car d'autre part, je suis désolé. Hein. Parce que d'autre part, sa mise en examen n'est que la goutte d'eau faisant déborder le vase inondé des larmes de notre cliente depuis des années. Article 242 du Code civil. Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Alors quelles sont ces violations, maître ? Mais je vais vous le dire, maître Guillaume. Mais illustrons d'abord la face cachée de Bill Clinton. Toutes ces violations que notre cliente, par amour, a toujours la force d'accepter. Injure publique. Qui sont cause de divorce depuis, je cite, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2006. Ici, elles sont caractérisées par le fait que Bill se comporte comme l'ex-président jaloux de sa femme qui va devenir à son tour présidente. Il va même jusqu'à la ridiculiser sur Twitter. Regardez-moi ça. Je cite, la plus grosse erreur de ma carrière, dit-il. Ma femme, hashtag, haha, troll, mort de rire, bitches. Quelle honte, Bill. Défaillance à l'égard des enfants, qui est une cause de divorce pour la cour d'appel de Metz depuis le 17 avril 2007. Dans l'affaire qui nous occupe, elle est caractérisée parce que Bill a réussi à convaincre ses propres spermatozoïdes de faire à Hillary un enfant des plus laids, Belzébuth. Quelle honte, Bill. Adultère. Mesdames et messieurs, l'article 212 du Code civil nous dit « Les époux se doivent mutuellement fidélité. » Or, vous connaissez tous Monica Lewinsky. Mais il n'y a pas qu'une Monica Lewinsky, il y a des Monica. Et cela, le magazine Publix, tenu par la légendaire Mademoiselle Lampoudenx, nous en livre la preuve avec ses quelques clichés savoureux, contrôlés par notre expert judiciaire Maître Photoshop. Alors la première d'entre elles, la célèbre Monica Lewinsky, Monica Bellucci, Monica de Friends, Monica Cruz, Nadine Morano, c'est peut-être pas le bon dossier ça. Et enfin, Monica Station, qui est chef du rayon surgelé au Super U de Versailles. Tout à fait. Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs, nous avons donc affaire à un véritable psychopathe fétichiste des Monica. Cependant, ce soir, il vient de passer au cran dessus, il devient carrément un délinquant financier. Quelle honte, Bill ! Numéro bis, comptable d'Hillary Clinton, a découvert un trafic des plus sombres. Alors, je sais ce que vous vous dites, ce type-là, numéro bis, qui ne connaît rien aux chiffres, mais ça, c'était il y a 2000 ans. Il était encore jeune et naïf. Depuis, il a fréquenté le MIT pour devenir ceci, Mister numéro bis. Ainsi, les documents du sieur numéro bis attestent que le compte commun des époux a servi à l'importation illégale de mimolettes aux États-Unis. Et cela avec l'aide d'une dénommée Monica L, qui après avoir pipé les comptes aurait sûrement succombé de nouveau aux charmes adultérins du défendeur.
défendeur qui se hasardera peut-être à contester le bien fondé de la mimolette sur le territoire américain. Alors, nota bene, cette mesure résulte d'une promesse de campagne de Bill Clinton en 1996, dont le slogan aurait dû contenir une locution latine, Timeo Danaos et Dona Ferentes, mais qui finalement a été « Mimolette, vous ne passerez pas !» Et c'est l'année suivante que Bill Clinton, une fois président de la République, nomma Mr. Rockford à la tête de la Food and Drug Organization. Le Mimolette Act sera publié l'année suivante. En clair, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Bill Clinton fit interdire la Mimolette simplement parce que sa femme en raffole et en tire des prix. Et en organise un trafic des plus juteux dont les bénéfices servent à alimenter un compte offshore en France. Or, vous le savez bien, la France est tout sauf un paradis fiscal. Et cela, Patrick Balkany, son conseiller personnel en optimisation fiscale, le lui avait bien dit. Ben, je fais full tir, maître Lacarrière. C'était simplement pour corrompre Hillary Clinton. Quelle honte, Bill. Malheureusement, ce plan machiavélique fonctionne. L'Amérique va sombrer si rien n'est fait pour blanchir Hillary. Les 90% d'Américains anti-Trump d'hier sont aujourd'hui conquis par son discours du tous pourri et lui font désormais confiance, comme en atteste ce sondage Gallup de la semaine dernière. Ainsi, mesdames et messieurs, nous vous demandons de laver l'honneur de notre cliente une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi, au nom de notre client, soutenu par l'A2P, l'amicale des présidentiables peroxydé, nous vous demandons de prononcer le discours des époux Clinton, notre exclusif de Bill. De Bill, et finalement, deux jours de traduire Pina Bobby Clinton devant la CG3P, la cour gouvernementale des présidents, particulièrement pervers, et juste pour vérifier, y a-t-il des Monica dans la salle? Non. Tant mieux, il arrive. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers confrères, à qui nous tenons à rappeler que nous sommes devant un tribunal respectable et non dans un one-man show. Bref, il est des affaires qui marquent la carrière d'un avocat. Celle qui nous est donnée de défendre devant vous ce soir en a tous les caractères. Le caractère de l'éminence, tout d'abord, nous avons l'honneur de représenter Bill Clinton, l'illustre 42e président des États-Unis. Le caractère de l'originalité, d'autre part, puisqu'il est ici question d'une sombre affaire de fromage, d'un compte caché et d'une secrétaire un peu trop dévouée. Mais ensuite, éludons immédiatement certaines accusations. La partie adverse accable M. Clinton, entre autres, en raison de son compte offshore. Mais sans vouloir leur faire un cours de procédure, rappelons-leur que cette question n'est pas de votre ressort, puisque nous sommes devant le tribunal des gouvernants infidèles, qui a une compétence exclusive en matière de contentieux des couples. Revenons donc sur les fondements de cette affaire. Madame Clinton, obsédée par ses réformes perpétuelles sur les réformes de la santé, a toujours interdit la mimolette à M. Clinton, son époux, le forçant par conséquent à en consommer clandestinement. Jusqu'au jour où sa secrétaire Monica l'appela affolée et après un « Houston, we have a problem ». Elle lui expliqua que son fournisseur ne lui avait pas livré 2 kilos, mais bien 2 tonnes de mimolette. Que faire ? Un peu honteux et craignant sa femme, il décida d'enfermer cette masse orange dans les caves de la Maison Blanche et se mit peu à peu à la revendre. La mimolette n'attendait que d'être libérée. Reste qu'en 2013, la Food and Drug Administration, sorte de Men in Black alimentaire, bloque une cargaison de mimolette à la frontière pour des raisons sanitaires. Trop de bactéries au pouce carré. Mais ce n'est qu'une interdiction de fait, bien loin de la dénomination de trafic, qui reprend surtout l'idée de substances dangereuses type stupéfiant. Ici, l'adage « allez à jacta est » n'a pas sa place. Il convient d'appliquer, vous le savez, l'adage « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Partant, les agissements de Bill ne peuvent pas répondre, de Bill, M. Clinton, évidemment, ne peuvent pas répondre à la qualification de trafic. Par ailleurs, certes, il a demandé à sa secrétaire de truquer le compte commun, mais il n'a pas détourné un seul centime. Au contraire,
Sachant que faire de l'argent qui dormait sur le compte litigieux, il en transféra une partie sur le compte commun. Pour que madame continue à mener son train de vie de campagne très coûteux. Garde-robe Chanel, escarpins Louboutin, Botox, brushing, digne de celui de notre aimable contradicteur. Bref, vous l'aurez compris, de quoi ruiner une nouvelle fois la Grèce. Alors pourquoi revenir sur ces événements, me direz-vous ? Simplement parce que ce sont eux qui ont motivé Madame Clinton à demander un divorce pour faute. Faute définie, rappelons-le, par l'article 242 du Code civil concernant la violation des obligations du mariage, issues du mariage. Bien évidemment, la partie adverse n'a pas pu s'empêcher de souligner que oui, il n'y aurait pas que les comptes que Monica aurait pipés. Nous ne pouvons pas contester le résultat. Cependant, il convient de revenir au fondement de cette affaire pour comprendre que Bill n'a pas les torts exclusifs. Alors qu'il était encore président, un soir tard, Monica fut appelée dans le bureau ovale. Bill y travaillait avec un plateau de mimolettes à ses côtés. Alors qu'elle vit cet encas posé sur le bureau, elle se précipita pour en prendre un morceau. Mais dans la précipitation, elle se prit les pieds dans le tapis, trébucha violemment et se retrouva dans une position incongrue. Mais mesdames et messieurs les juges, n'avez-vous jamais eu faim ? Par ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, les détails ne nous regardent pas. Ainsi vous le voyez, leur relation a commencé de façon bien fortuite. Mais cela ne se serait certainement pas passé ainsi si Madame Clinton n'avait pas tant négligé leur vie de couple. En effet, elle se refusait continuellement à lui, prétextant « trop de travail, trop de fatigue, trop de brushing, trop de lifting ». Mais ainsi, aussi illustre soit M. Clinton, il reste un homme qui a des besoins qui sont d'ailleurs rappelés par l'article 215 du Code civil, qui impose notamment la communauté de lit. Or, Madame a déserté le lit conjugal depuis bien longtemps. Et ainsi, malgré ses torts, Madame Clinton assigne son époux en divorce pour faute en pleine campagne présidentielle. Mais d'une part, c'est le meilleur moyen de chuter dans les sondages en prenant le risque de laver son linge sale en public. Mais surtout, en accusant à tort M. Clinton, elle contrevient directement à l'article 212 du Code civil qui impose le devoir de respect entre époux. Alors oui, M. Clinton a des torts. Mais est-il le seul ? Nous vous l'avons démontré. Les fautes alléguées ne sont pas de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. A l'inverse, ce qui le serait, c'est de priver continuellement son époux de dessert. C'est pourquoi nous vous demandons à votre cour de mettre fin aux allégations honteuses de Mme Clinton. Et surtout, sur demande express de notre client, laissez la mimolette tranquille ! Je suis mimolette ! Bravo ! Merci ! Merci beaucoup ! Alors, un petit mot de notre jury. Petit mot. Oui, je suis très impressionné par la qualité du plateau ce soir. L'ensemble des étudiants fait honneur à notre faculté, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et donc, c'était le dernier couple de cette demi-finale. Voilà, nous allons maintenant inviter les membres du jury à se retirer pour délibérer. Et puis, je vous invite à boire un dernier verre de vin. Ça fera un au début, un maintenant, deux, c'est la limite légale. Et on se retrouve dans quelques minutes. Et au son de quoi, d'ailleurs, Dominique, je ne sais plus. Jackson 5. À tout de suite. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir très, très fort le jury qui vient de délibérer ce soir. Encore, 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 encore. Vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Le jury, mesdames et messieurs. Vous les aurez peut-être appelés trois fois. Hein. Bien, maintenant nous allons demander à tous les candidats ainsi que leur coach de se rassembler derrière le pupitre, s'il vous plaît, pupitre qui va d'ailleurs être déplacé par des candidats qui sont sympathiques. Et pas très dynamique, mais c'est pas grave. Ah, donc personne ne déplace le pupitre. Est-ce qu'il y aurait des personnes sympathiques qui pourraient un petit peu déplacer le pupitre derrière ?
Non, mais bon. J'ai déjà fait rouler jusqu'à la centrifugeuse ce soir. Oula, oula, oula. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez l'applaudir. Oui. Et nous appelons maintenant notre justice de huissier. Maître Quentin Girault. Merci, maître. À vous l'honneur, ma chère Pauline. Sans qualifier pour la finale du deuxième concours de plaidoirie de l'Université de Pau et des Pays de la Tour. Marc Guillot et Florent Lacarère. Bravo! Sont également qualifiées mesdemoiselles Lucie Morel et Manon Sodio. Qualifié pour la finale, Audrey Fourmeau. Sera avec nous là dans deux semaines ici, Monsieur Baptiste Peyrou. Et enfin, très chère Pauline, seront avec nous pour la finale Yael Lévy et Léa Pochette-Pradel. Allez, applaudissez-les très fort, s'il vous plaît. Bien, je vais maintenant demander au président du jury de bien vouloir venir nous dire quelques mots sur scène. Vous pouvez l'applaudir, hein. Je vous demande d'applaudir non seulement les qualifiés, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Parce que... parce que de l'avis général du jury, vraiment le niveau a été très élevé. Et certaines battles, quasiment toutes, ont été très très difficiles à départager. C'est presque battu, il faut le dire. Et comme je suis le plus costaud, c'est moi qui l'ai emporté. Donc félicitations vraiment à tous. Que ceux qui ne sont pas qualifiés ne le prennent pas vraiment comme un désaveu. Ça a été apprécié unanimement. Et puis pour vous, hein, c'est un nouveau défi qui s'annonce. J'espère que vous en êtes conscients. Et on compte sur vous pour que le niveau soit encore plus élevé pour la finale et que cette édition soit aussi couronnée de succès que celle de l'année dernière avec les anciens vainqueurs que je devine ça et là derrière. En tout cas, merci à tous, mais je vais rendre la parole à nos animateurs fameux, hein, Thomas Moreto, Dupont-Moreto, c'est ça que j'ai appris. Merci à tous, en tout cas au nom du jury, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Monsieur le Président. J'ai demandé au jury de bien vouloir venir sur scène pour pouvoir faire une photo avec l'ensemble des candidats, si ça ne vous dérange pas. Ça va être possible ? Oui ? Ok. Allez, tout le monde se rapproche. Allez, tout le monde sourit. On est prêt? On regarde ici, apparemment. On regarde sur notre gauche. Voilà. Merci beaucoup. Et on finit en musique avec ABBA. Et on vous dit rendez-vous au 2 mars. Bonnes vacances à tous!